La ministre Maria Touconnet et les leaders syndicaux de l'enseignement à Cocody. Le rôle des syndicats ne se limite pas qu'à faire des revendications, mais également à œuvrer pour la redynamisation du système éducatif. C'est ce que la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a fait savoir au cours d'une rencontre tenue hier jeudi 16 septembre 2021 au syndicat de l'enseignement primaire et secondaire. Elle a de ce fait invité ces syndicats à une synergie d'action en faisant des propositions constructives pour redynamiser le Conseil consultatif de l'éducation nationale. Pendant ces échanges qui se sont déroulés à Cocody, le professeur Maria Touconnet a invité les organisations syndicales à un sursaut national pour la redynamisation du système éducatif. Avec ses hôtes, la ministre Maria Touconnet a également évoqué la question de la rentrée scolaire 2021 à 2022. Elle a fait savoir à ses responsables syndicaux son ambition d'impulser une nouvelle dynamique à l'école ivoirienne. Pour cela, Maria Touconnet a fait savoir à ses visiteurs qu'elle entend concrétiser un cadre permanent et direct d'échange avec les syndicats. Ces rencontres permanentes permettront, au dire de la ministre, de trouver des solutions concertées aux problèmes qui minent le secteur éducatif. Cette rencontre a été saluée à sa juste valeur par l'ensemble des acteurs syndicaux qui n'ont pas manqué de faire des propositions, une amélioration du cadre et des conditions de travail.